Et y'a tout le monde, c'est Mada Gamer, je vous retrouve pour une toute vidéo. Toute une vidéo sur Fortnite, mais plus précisément, je vais vous montrer mes skins, tout ce que j'ai acheté, tous les trucs que je me suis fait pigeonner. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer les écrans de chargement qui sont pas rares du tout, qu'on peut avoir dans le place de combat. Donc, il y a ça. Bon, je vous montre assez vite parce que vous en fichez un peu, je pense. Voilà. Ensuite, il y a les traînées. Donc, les traînées, moi j'adore l'arc-en-ciel, bulle, j'aime pas trop, étoile, j'aime bien, et flamme, ça va. Et après, outre-mer, j'aime pas trop. Donc moi, mes préférés, c'est flamme, arc-en-ciel. Et après, c'est étoile. Voilà. Ensuite, il y a le planeur. Donc mon planeur préféré, c'est mauvais augure. Mais après, il y a les trois planeurs si on fait top 1. Donc l'ombrelle, le parapluie et le flocon qu'on avait à Noël et ça qu'on a maintenant. Le seigneur du planeur qu'on pouvait avoir dans l'ancien passe de combat gratuit, palier 35. Le planeur de carbone qu'on peut avoir dans ce passe de combat là. Le Mako qu'on pouvait avoir niveau 25 à la première saison. C'était super. Siège bleu qu'on peut avoir avec le PlayStation Plus. Donc si vous avez l'abonnement PS4. Planeur magique qu'on a dans le passe de combat. Mauvais augure que j'ai acheté. Turbo planeur qu'on a dans le passe de combat. Donc si vous savez pas, c'est cette quête là. En fait, quand vous finissez le passe de combat, palier 100, vous avez un livre. Voilà. Et en fait, il y a des quêtes à faire et vous l'avez. Et le démon disco qu'il y avait dans le dernier passe. Mais en fait, je l'ai acheté très tard le passe. Du coup, j'ai pas pu finir. Ensuite les pelles, alors les pelles, la pelle à neige que je me suis achetée parce que je la trouve super belle et pas chère du tout. Ensuite l'impulseuse, non mais au revoir. Ensuite il y a impulseuse qu'il y avait dans l'ancien pass, Excalibur qu'on avait dans l'ancien pass, la dent de scie qu'on a dans le nouveau pass et la chevet et la double fonction qu'on a dans le nouveau pass. Ensuite nous avons les sacs, donc les sacs, celui-là c'est le sac de Bambi que nous avons dans l'ancien pass je crois. Ça c'est les deux sacs de la chevaleresse et des écuyers bleus, de l'écuyer bleu. Ça c'est le sac qu'on pouvait avoir gratuitement au magasin. Ça c'est le sac qu'on pouvait avoir avec le pack de débutants, donc avec l'agent rebelle à 5€. Le sac de la fille astronaute en gros. Le sac de la de voyageur noir de l'expert des câlins et du corbeau. Mon préféré c'est corbeau expert des câlins. Ensuite le faucheur, enfin ensuite les skins, donc écuyer bleu qu'il y avait dans l'ancien pass, chevaleresse, chef de l'équipe bleue, donc celui qu'on peut avoir avec l'abonnement, l'astronaute, spationaute qu'on peut avoir palier 1 avec le nouveau pass, roi de la rouille, exploratrice lunaire, voilà, donc celui avec le sac c'était la fille en gros, agent rebelle, agent d'élite, voyageur noir, faucheur, expert des câlins et corbeau. Donc mon préféré c'est corbeau, ensuite c'est expert des câlins et ensuite c'est faucheur, voilà. Et ensuite c'est le pack à 5€, voilà. Et ensuite au niveau des dents, donc je vais juste vous montrer les dents normaux, donc c'est le robot normal, donc le robot, le dab, le vert, il a un peu ça, non, meilleur pote, t'as perdu, Tagada U, enfin U plutôt, clap clap, chifoumi, jubilation, salut militaire, salut. Viser un peu ça et la danse de base. Donc en tout cas les mecs, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, je vous aurai montré mon casier et ciao ciao les mecs, c'était Panda Gamer. Ciao ciao.